trouve que l'amendement, bien sûr, est extrêmement ambitieux, mais est-ce qu'il est réaliste? Moi, ça me fait penser un peu à la loi Dalloz, ou ça me fait penser un peu à la loi handicap, où finalement, les années passant, on n'a pas réussi les objectifs qui étaient des objectifs aussi ambitieux sur ces lois. Est-ce qu'on ne va pas être dans le même cas de figure? Je rappelle quand même qu'il y a 450 000 copropriétés pour 10 millions de logements. Il y a un tiers du parc immobilier résidentiel. Sur ces 10 millions, il y en a 4,5 qui sont en régime de copropriété et il y a 2 millions qui sont classés en F et G. Quand on rajoute le E, ça fait 40% du parc locatif privé. Et quand on dit qu'il faut à peu près pour rénover 20 000 euros pour peut-être classe F et 10 000 euros pour le classe E, il faut sortir 70 milliards de travaux pendant ce laps de temps, en l'occurrence dès 2025 jusqu'à 2034. Donc c'est très ambitieux. Et comment est-ce qu'on va faire si jamais on n'arrive pas à rénover? En gros, il faut quand même rénover à peu près 150 000 logements par an. Ça représente l'équivalent de construction en neuf de Pinel sur 3 ans. Et si on ne peut pas construire, parce qu'il y a aussi dans la loi l'artification des sols, vous en avez un tout petit peu parlé, comment est-ce qu'on va faire pour loger les gens demain? On se pose la question.